Je lisais dernièrement un texte de Reverdy parlant de Picasso. Et Reverdy, dans un dialogue imaginaire, après la mort imaginée de Picasso, le fait parler à un compagnon aussi d'outre-tombe. Et ce compagnon demande à Picasso, mais quels sont vos paysages? Et Picasso disait, c'est le désert. Le désert chaud, brûlant, aride, sec. Et son interlocuteur lui demandait alors, mais ce désert, il y en a sans doute en Espagne et encore plus au sud de la Méditerranée. Et Picasso répondait, le désert est partout où je vais. Donc il n'y a pas de lieu. J'ai même assez de réserve pour ne pas dire plus. Quand on vient décrire les créneaux de telle ou telle muraille, ou les falaises de telle ou telle côte de je ne sais quel océan, ou de tel lieu, n'est-ce pas, qui inspire, ce n'est pas vrai. On peut être le dernier des imbéciles, n'est-ce pas, dans la plus belle architecture du monde. Et le lieu est là où on sait la portée. Le lieu qu'on a en soi, n'est-ce pas, le désert de Picasso, infini et brûlant. C'est là, et Molière le disait bien, n'est-ce pas, deux tréteaux et une planche. Et les chapelles, je ne sais pas, gothiques ou cisterciennes, bon, c'est merveilleux en soi, bien sûr, ce n'est pas le théâtre. N'est-ce pas, c'est pas le plus beau décor du monde qui nous fera aimer et être aimé de l'être auquel on tient, hein. Une dinette, peut-être un lieu de délice, si on y rencontre la rose, l'âme de la rose. Le rôle du théâtre, eh bien, c'est de préparer l'avenir. Est-ce que c'est ce qui se passe? Est-ce que dans d'autres domaines, je pense maintenant, je ne sais pas très bien pourquoi, parce que ça me préoccupe, sans doute, je pense à Notre-Dame était fait pour rester au niveau des portails. On l'a surélevé de 2 ou 3 mètres. Personne ne semble en souffrir. Tout le monde en pâtit. Parce que Notre-Dame vient de tomber de 2 mètres dans le sol. Ceci dit, mais ça c'est une histoire du passé. Paris réserve des choses comme ça, stupéfiantes. Notre-Dame fait face à quoi? À la préfecture de police. C'est extraordinaire. Et toutes les deux sont reliées par l'Hôtel Dieu. Mais maintenant, à notre époque, on surélève le sol et on enfonce Notre-Dame. Alors, est-ce que parallèlement, le théâtre dégringole? Je ne sais pas.